Yo, si tu te demandes quelle basse choisir entre la 4 cordes et la 5 cordes, celle-là c'est une 5 cordes et celle-là c'est une 4 cordes. Moi je suis fan de 5 cordes. Mais après pour choisir, il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Si tu veux faire des grooves tels que Victor Wooten, tu vois les trucs comme du slap, tapping, ce genre de trucs, c'est bien de partir sur une 4 cordes parce que la 4 cordes, elle va te permettre de te déplacer facilement, de faire des trucs incroyables. Maintenant, si tu es comme moi, tu aimes pas trop te fatiguer, tu vas partir sur une 5 cordes pour la simple raison que sur la 5 cordes, t'es pas obligé de bouger pour avoir toutes tes, pour avoir des, par exemple, ici sur la 4 cordes, si je veux jouer une octave, si je veux jouer do, si je veux partir de sol jusqu'à sol, je suis limité là. Après, j'ai plus d'octave, je suis obligé de me déplacer et je suis toujours obligé de me déplacer pour trouver l'autre octave. Par contre, sur une 5 cordes, j'ai tout à portée de main. Si sur une 5 cordes, j'ai toutes mes octaves juste à côté. Donc, du coup, je suis pas obligé de trop me déplacer si je veux vraiment m'exprimer. En fait, c'est ça la petite différence entre la 5 cordes et la 4 cordes. Après, ton choix va dépendre du style musical que tu veux faire. Si tu veux faire des trucs comme du seben, c'est bien de partir sur la 4 cordes parce que la 4 cordes va te permettre de faire les pompes beaucoup très facilement. Bon, je voulais partager beaucoup de choses avec toi, mais je pense que ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que si tu es débutant, moi je vais te conseiller de démarrer avec une guitare basse 4 cordes parce qu'on est tous passés par là. Tu démarres avec une guitare basse 4 cordes, tu es un peu comme un nouveau chauffeur, tu commences sur une voiture simple et après quand tu commences à avoir un très bon niveau, tu vas ajouter des options et les options ce sont les guitares basses 5 cordes, les guitares basses 6 cordes, 7 cordes, tout va dépendre de toi. Moi je te conseille si tu es débutant de démarrer avec une guitare basse 4 cordes. Si tu as envie de devenir un pro, si tu as envie d'améliorer ton niveau, j'ai 27 formations que je t'offre. Clique sur le lien que tu vas voir soit dans ma bio, soit dans la description, ou soit dans la vidéo. Clique sur le lien quelque part et on se retrouve de l'autre côté là-bas pour avoir accès à 27 formations qui vont t'aider à avoir un très bon niveau à la guitare basse.